à tous, bienvenue sur Webspotting, deuxième saison. Nous sommes au sixième épisode et vous êtes avec Fanny. Avant de vous lancer dans un formatage, avez-vous pensé à noter toutes les clés de licence de vos logiciels? Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre beaucoup de temps à remettre la main sur ces numéros de licence et autres clés d'activation lorsque vous réinstallerez vos softs sur une machine flambant neuve. Alors comment faire? Eh bien, il existe MyKeyFinder, un petit utilitaire existant en version gratuite et payante qui est capable, tout simplement en scannant votre disque dur, de retrouver et d'afficher toutes ces clés de licence. Très pratique pour les têtes en l'air ou les techniciens qui doivent intervenir sur des machines qui ne leur appartiennent pas. Connaissez-vous le concept de sérendipité? Non, pas encore? Eh bien, c'est le fait de découvrir de nouvelles choses en se baladant de lien en lien sur le net sans les avoir cherchées au départ. C'est sur cette idée que s'est créé StumbleUpon, un site qui vous propose de découvrir sans cesse de nouvelles pages web correspondant à vos goûts. Pour cela, après avoir créé votre compte, vous devez sélectionner différents centres d'intérêt, comme les sciences, l'humour, la technologie ou encore les jeux vidéo. Puis ensuite, au fur et à mesure de votre navigation via StumbleUpon, on vous demandera si le site que vous venez de voir vous a intéressé ou pas. En fonction de tous ces votes à base de « j'aime », »,« j'aime pas », StumbleUpon sera capable d'augmenter la précision de ses propositions pour taper dans le mille. À essayer les jours de pluie à la maison et les jours d'ennui au boulot. On continue avec Locality Flash, un plugin indispensable pour Firefox qui va vous permettre de gagner un peu de mémoire et de rapidité lorsque vous consultez des sites où se trouvent des fichiers Flash. Locality Flash permet tout simplement de faire basculer automatiquement les graphismes des fichiers SWF en basse qualité. Cela est à l'origine destiné aux machines moins puissantes, mais nous aurions tort de nous en priver. Activé, ce plugin laissera apparaître des pixels tout moches sur les designs de vos flashs, tels que le player YouTube, mais n'entamera en rien la qualité des vidéos lues par ce même player. Il est aussi tout à fait possible de rebasculer en mode qualité haute d'un simple clic droit sur le fichier flash. À réserver à ceux qui recherchent à grappiller des performances plutôt que de rechercher la beauté graphique. Travailler la nuit sur un ordinateur peut être assez violent en termes de luminosité si vous oubliez de faire les réglages appropriés. En effet, un écran dont la luminosité est poussée à fond peut être très agréable en journée, mais peut devenir une source de migraine ou de gêne le soir ou la nuit. C'est pourquoi un développeur indépendant a mis au point Flux. Ce petit logiciel pour Mac, Linux, Windows et iOS permet de régler automatiquement et en fonction de votre géolocalisation, et donc de l'heure de la journée, la luminosité et surtout la teinte de votre écran. Cela permet de protéger vos pupilles délicates le soir, tout en profitant d'une visibilité maximale en journée. Les transitions peuvent se faire rapidement ou lentement et donner la sensation qu'il y a vraiment un lever ou un coucher de soleil dans votre ordinateur. Vous vous souvenez de MechWarrior? Il s'agit d'une série de jeux vidéo sortis dans les années 90, où le joueur pouvait, aux commandes de son robot mech, suréquipé, combattre d'autres mechs ainsi que des troupes armées de tanks, etc. Ce jeu ayant disparu des écrans radars, la société MechTech a décidé d'en rééditer une nouvelle version baptisée MechWarrior 4, contenant de nouvelles armes, de nouvelles cartes, de nouveaux robots et surtout un mode multijoueur en ligne. Le jeu est entièrement gratuit et téléchargeable à l'adresse que vous obtiendrez en flashant le code en bas de l'écran avec votre téléphone. Ça promet de grandes batailles épiques dans les jours qui viennent. Un collègue ou un ami vous a envoyé un fichier suspect et vous n'avez pas d'antivirus sur la main pour savoir si c'est un malware qui va faire exploser votre ordinateur ou si ce sont effectivement les photos de son petit dernier. Pas de stress. La solution à ce problème s'appelle Virus Total. Ce site vous propose tout simplement de scanner en ligne un fichier, quel qu'il soit, à travers une trentaine d'antivirus connus comme celui de F-Secure, Symantec ou encore Kaspersky. Virus Total est bien sûr entièrement gratuit et est tellement efficace que récemment Google s'est même payé le luxe de le racheter. C'est beau et ça marche. Merci à tous d'avoir suivi Webspotting, c'était le quatrième épisode de la sixième saison. Retrouvez-nous, nous sommes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, regarder, commenter, liker et surtout nous aimer.